Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce troisième épisode déjà des Hunger Games of Sims, version Disney, où on retrouve les six princesses restantes qui vont s'affronter dans une nouvelle compétition. Mais avec quoi, à votre avis? Si je vous dis lama, si je vous dis réveil, si je vous dis ne réveillez pas le lama, elles vont s'affronter deux contre deux. Contre chacune, celle qui aura le moins de points, ben, perdra et les autres seront sauvés. C'est parti, c'est donc dans l'antre du château. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Non. C'est dans l'antre du château que les filles vont s'affronter, parce que normalement j'aurais fait chez le prince, chez le terrain du prince, mais ça ne fonctionne pas. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Alors, on va faire dans l'ordre, hein, comme ça. Cendrillon va défier Belle, Jasmine va défier... Aurore, et ensuite Blanche-Neige va défier Elsa. Voilà, et on va voir qui gagne de ces trois duels déjà en premier temps. Alors, il y en a les premières qui enlèvent les premiers petits bouts de bois. Et elles sont très contentes et elles sont très fières. Je ne sais pas si ça va encore, si ça va durer en fait, tout simplement, parce que les premiers bouts de bois sont les plus faciles à enlever. Belle, elle se la pète un petit peu. D'accord, je vois à peu près. Ah! Et nous avons une perdante! C'est donc Belle qui a perdu! Ah là 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 là, tu es donc éliminée, ma petite, de ce premier duel. Très bien, très bien. Donc je note un point pour Cendrillon. Belle, zéro. Voilà. Mais Elsa? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais t'as pas fini? Si? Elle a perdu! Très bien, très bien! Elsa, c'est un 0. Et Blanche-Neige, c'est un 1. Le premier trio de duel. Non, pas trio, mais du coup, trio de duel. Se déroule en dernier pour Jasmine et Aurore. Pour l'instant. Et c'est Jasmine qui perd! Ok! Voilà, voilà. Donc, Jasmine 0, Aurore 1. Il nous reste donc 3 perdantes. Il reste donc Belle, Jasmine et Elsa qui sont en compétition. On va donc les faire affronter chacune. Alors Jasmine, tu vas affronter tout d'abord... Belle. Allez. C'est parti. Regardez-moi ça là, les coquines. Elles s'asticotent l'une l'autre. Et ensuite, on fera Jasmine versus Elsa. Et Elsa versus Belle. Je pense qu'on est pas mal comme ça.
Pète la pop trop, toi, ma petite belle, parce que bon, tu peux être belle, mais tu peux être perdante aussi, hein, et tu peux être morte. Là, par contre, les trois perdantes, nous avons deux brunes et une blonde. Il y a quand même une majorité de blondes et j'aimerais que ce soit équitable, donc j'espère que ce sera ni Jasmine ni Belle. Mais bon, c'est pas moi qui décide, hein. C'est elle. Hein. Aïe aïe aïe, ça trempe, Jasmine, attention à toi. Belle a géré pour ce coup-là. Jasmine retente. Ouh, Jasmine 0. Aïe aïe aïe, et Belle 1. Ok, on va continuer la compétition. Belle, tu vas affronter, défier notre petite Elsa. On va voir ce que ça donne. Nouvel affrontement. J'aime bien ce qu'ils sont toujours en train de se la péter au premier petit truc enlevé, mais elles n'ont pas conscience que c'est leur vie qui est en jeu. Et un prince et une vie de rêve. C'est comme dans les Disney, quoi. Sauf qu'ici, on est dans les Hunger Games. Et vous êtes chez Shirley. Ça rigole pas. Attendons patiemment. Ouh là 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 là, Elsa! Elsa, c'est nul. Elsa, c'est nul et Belle. Oh là 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 là. Eh bien, les deux pires sont Elsa et Jasmine. Donc, ça sera entre elles deux. OMG. Donc, tu vas défier Elsa. Et ce sera le duel final. Puisqu'en fait, dans les points, Belle a quand même eu 2, 1-0 et puis 1 et 1. Jasmine a eu 0-0, Elsa a eu 0-0. C'est cruel, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Surtout dans les Hunger Games. Allez, les filles! La blonde, venue du froid, reine des neiges, ou la brune, venue des pays chauds, reine du sable. C'est une bonne question. On va savoir tout de suite. C'est bien, ils sont assez rapides les games, du coup c'est assez facile de voir et de faire des pronostics. J'espère en tout cas que ce n'est pas vos princesses préférées qui, pour l'instant, sont perdantes. Moi, j'en ai pas vraiment, donc enfin, je veux dire à part peut-être Ariel, mais voilà quoi, elle est partie tout de suite, donc c'est un peu triste. Aïe 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 aïe, c'est Jasmine. C'est Jasmine qui est donc la grande perdante de cet épisode et qui va donc succomber. Tout simplement. C'est affreux, mais tu es le maillon faible, Jasmine. Il va falloir t'y faire. Beauté du désert, c'est tellement triste et t'es tellement belle. Mais au revoir quand même. Ah, ma pauvre Jasmine. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend, mais malheureusement, tu vas y passer. Et quoi de mieux pour une princesse du désert? De mourir dans la chaleur et le feu. Elle va allumer ses feux. S'ils suffisent pas à la cramer, eh ben, elle mourra de chaud. Du moins, je l'espère, parce que des fois c'est très très long d'attendre qu'il meure cramé. Parfois beaucoup trop long même. Ouh! Ça commence déjà un peu. Voilà ma belle! Tu es entourée de feu. J'espère que tu aimes ça. Et tu vas rajouter des bûches. Et en espérant que une petite étincelle vient cramer les superbes tapis de journaux que j'ai disposés à tes pieds. Bon, elle est mignonne, hein, au milieu des flammes, comme ça, à jouer avec les feux. Et avec le feu. C'est vraiment quand le feu, ce feu-là qu'on l'utilise, qu'on veut pas que ça crame. Que ça crame. Et là, quand on veut que ça crame. Ça va pas cramer. C'est triste. Hein. Bon, ben, pour l'instant, elle est pas très décidée, hein. J'ai rajouté un autre tapis, j'ai rajouté du bois, du parquet en dessous, histoire de, mais elle n'a pas l'air décidée de mourir tout de suite. Donc malheureusement, je pense qu'elle va mourir de chaud comme sa comparse. Je voudrais faire des morts différentes à chaque fois, mais je pense que ça ira beaucoup plus vite. Tu vas te changer et mettre ta tenue d'hiver. Voilà. Entourée de feu, avec la canicule et la tenue d'hiver, ça devrait plus être très long maintenant. Ah, ça y est, elle commence à mourir de chaud et à mourir aux envies de pisser aussi par la même occasion. Mais non, ma cocotte, c'est pas grave, tu peux te pisser dessus, tu as le droit. Ton prince ne te reverra jamais. C'est dommage, mais c'est comme ça la vie. Allez, deuxième notif, qu'elle meurt de chaud. Ben moi, je n'attends que ça. Hein. Oh, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Allez, on abrège tes souffrances. C'était ta dernière guimauve. J'espère que tu en as profité. Parce que ma cocotte, c'est maintenant.
Ah là, voilà. Et paf! La tête dans le feu! Oh bah écoutez, de toute façon, comme j'avais dit, c'était une fille du désert. Hein. La tronche dans le feu. Et la faucheuse est là. Ah, et une dame à moitié nue est là aussi pour voir ce qui se passe. Super. Oh, la pauvre Cendrillon qui assiste quasiment à tous les décès pour l'instant. Mais au moins, c'est pas elle qui meurt, quoi. C'est voir le côté positif pour elle. Allez, faucheuse, emmène donc cette pauvre âme avec toi. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois, faucheuse. Et c'est donc là-dessus que moi, je vais vous quitter pour aujourd'hui, pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que Jasmine n'était peut-être pas votre princesse favorite. J'espère que celle que vous préférez reste dans les 5 candidates qui restent. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle expérience et un nouvel affrontement entre ces belles princesses pour l'amour du prince. Ciao !